Bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer par les remerciements. Déjà, merci à ma mère qui m'a offert la nouvelle webcam que voilà et qui va me permettre de faire, j'espère, des super vidéos. Et notamment, là, je viens de tester, sans enregistrement, c'est mon premier enregistrement. Et du coup, je viens de tester un peu comment ça rendait sur mon espace de travail et c'est super. Il y a vraiment l'autofocus, on peut voir les détails. C'est génial, c'est un vrai plaisir par rapport à l'ancienne qui me faisait des images quand même d'assez de très mauvaise qualité. Ça va être beaucoup mieux, donc merci beaucoup et également merci à mes amis et au reste de ma famille. J'ai eu un super anniversaire hier. Bienvenue aux nouveaux abonnés également qui sont arrivés et je voulais vous dire, n'hésitez pas à mettre des commentaires et à me dire ce que vous aimeriez voir, découvrir, plutôt des points techniques, des thématiques, des créativités, etc. Voilà. Dites-moi ce que vous voulez voir, je réponds pas forcément à la demande parce que c'est pas toujours possible, mais on fait ce qu'on peut. Et en tout cas, je vous lirai avec plaisir. Également, je voulais vous dire que je continue d'essayer de faire des vidéos adaptées aux personnes avec handicap, notamment de type dyspraxie, des problèmes de représentation dans l'espace, parce que, étant moi-même concernée par ça, j'ai remarqué que souvent on a déjà un problème de comparaison, c'est-à-dire qu'on voit les trucs sur internet, oh, c'est incroyable, c'est merveilleux, c'est... et on se dit, oh là là, ce que je fais, c'est de la merde. Donc c'est assez dur pour l'estime de soi. Et puis, il y a le problème que les contenus, ça paraît évident pour les gens, puisque pour eux, ça l'est. Alors qu'en fait, quand on a déjà du mal à retrouver sa droite et sa gauche, quand on se représente très mal les objets en 3D, ça devient tout. C'est difficile dans la manipulation et dans le rapport à l'environnement. C'est pour ça que je vais continuer à faire des vidéos très détaillées où j'explique vraiment toutes les étapes autant que je peux pour aider et accompagner les personnes qui ont du mal avec ça. Mais je pense que je ferai aussi des vidéos plus rapides parce que ça implique quand même des vidéos très longues. Hein. Des vidéos plus rapides avec des coupes pour les personnes qui maîtrisent à peu près leur corps et leur environnement ou qui connaissent déjà bien le scrapbooking, la carterie et les divers loisirs créatifs, création papier. Voilà, donc c'était le petit point de départ. N'hésitez pas à vous prendre une boisson. Je pense que ça va être assez long, on va vraiment tout faire de A à Z cette fois-ci. Voilà. Voilà, donc me voilà de retour. J'ai choisi mon tampon qui va être celui-ci avec un bonhomme de neige sur qui il neige. C'est pas une planche, donc une planche c'est un ensemble de tampons tout prêts. Je les range autrement pour avoir par... alors pas par thématique, mais effectivement je mets par thématique après, mais là par exemple c'est le thème des personnages. Et j'ai fait un truc un peu spécial Noël, fête de fin d'année, parce que j'en avais suffisamment. Ça c'est ce qu'on appelle un tampon acrylique, donc en fait c'est transparent, c'est une espèce de plastique, il y a un côté lisse et un côté en volume, qui va justement permettre de tamponner. Le plus simple, enfin le non, pas le plus simple, le moins cher, c'est d'avoir une plaque en plastique comme ça, rigide, sur laquelle on met le tampon, et j'ai pas pris le bon, et qu'on va ensuite utiliser comme support. Mais là, comme je voudrais mélanger plusieurs techniques, ce qui me fournira aussi l'occasion de vous expliquer comment plusieurs techniques fonctionnent, c'est pour ça que je vous disais que là, vidéo serait longue, je ne vais pas utiliser une simple plaque, je vais utiliser ce qu'on appelle hop, une presse à tampons. Alors, la presse à tampons, c'est ce type de chose, il y a plein de marques, plein de couleurs, plein de machins. Ce que ça va permettre, c'est de pouvoir revenir plusieurs fois sur le papier au même endroit, sans bouger, sans rien du tout. Alors, ma presse est vieille, là j'ai essayé de faire quelque chose, c'est-à-dire de remettre... que ma mousse est abîmée, de remettre une petite épaisseur. Je ne sais pas encore si ça va fonctionner, donc on va le découvrir ensemble. Si c'est trop épais, je l'enlèverai. Hop. Et ça, on est sur du format A6 en papier. Je le mets un petit peu plus haut pour pouvoir mettre le sentiment. Alors le sentiment, c'est
un petit mot, un petit quelque chose qu'on veut transmettre à la personne. Je pense que c'est peut-être une mauvaise traduction de l'anglais d'ailleurs, je ne sais pas, faudrait voir. Typiquement, bon ben voilà, on en sera sur les périodes de fêtes de fin d'année, meilleurs vœux, c'est parfait. Ça passe partout pour Noël et Nouvel An. Il sera logiquement positionné à peu près là. On peut le faire en deux temps, hein, meilleurs vœux. Ce qui va se passer, c'est que quand je fais ça, voilà, vous voyez, comme le tampon est prévu pour adhérer au plastique de manière temporaire, il va se positionner parfaitement. Hop, et on va pouvoir revenir plusieurs fois dessus, et ce sera exactement au même endroit. Ça ne bave pas, c'est censé être juste parfait. Comme là, j'ai modifié ma presse à tampon, je ne sais pas si ça va aussi bien marcher. Donc on va tester ça. C'est pas compliqué, ça marche très bien, ça marche pas, je retourne la carte, je vire mon système. En espérant que je puisse encore tenir un petit moment avec cette presse-là ou trouver une épaisseur moins importante. Alors, je ramène l'encreur sur mon tampon. Et je rappelle, la surface en volume n'est pas celle, la lisse est contre le plastique. Voilà. Donc, j'ancre partout et je positionne. Il n'y a pas besoin d'appuyer très fort. Normalement, c'est censé donner tout de suite un bon résultat. Là, je vais repasser. Et ben pas à l'encre noire parce que ici ça a été parfait, j'ai vraiment quelque chose d'impeccable. Je vais vous faire un zoom parce que j'ai une super caméra qui permet de le faire. Voilà, je vais diminuer un peu, voilà, c'est beaucoup mieux, j'ai diminué la luminosité, c'est incroyable la technologie. Ouais, c'était mes 39 ans, ne se moque pas. Donc là, j'ai un tamponnage de la figurine, du personnage qui est parfait. Par contre, si on regarde vraiment en zoomant meilleurs vœux, là je voudrais vraiment quelque chose de très clean, très propre. On va remarquer qu'il y a des petits... c'est pas parfait. Voilà. C'est pas parfait et je suis tatillonne, j'assume. Donc sur ce coup-là, je vais refaire la partie meilleurs vœux. Je rouvre mon encreur. Hop, je remets sur meilleurs vœux. Il y en a un peu sur le personnage, hein, c'est pas un problème. Hop, je remets sur meilleurs vœux. Et voilà. J'appuie bien sur meilleurs vœux. Et l'écriture, elle est comme du bol de là. Donc, est-ce que j'aime bien? Oui, j'aime bien. Mais en l'occurrence, c'est parce que j'ai trop appuyé que ça a étalé un peu les lettres. Mais au final, là, le rendu, il n'est pas si mal que ça, parce que ça donne un aspect bol de gras à l'écriture, et je trouve ça assez joli. Ah, vous vous rendez compte, je peux cliquer pour réajuster l'image, c'est incroyable. Je vous le mets dans le bon sens, peut-être que ce sera mieux pour se donner une idée. Le cerveau, il n'aime pas les trucs à l'envers. Voilà ce que ça donne. Alors, maintenant, ce que je voudrais faire, c'est que... ces petits ronds qui représentent la neige qui tombe, je voudrais qu'il y en ait au moins une partie qui soit brillant. Donc à la fin, je mettrai ce qu'on appelle du glossy accent. Mais pour que ça soit bien délimité par ça, l'idée que j'avais, c'était d'utiliser la technique de l'embossage à chaud. Alors, pour l'embossage à chaud, il faut trois choses. Je vous mets les doigts. Trois choses. Si j'arrive à retrouver l'endroit, je vous mets les doigts. Ouais, la caméra, elle est super, mais après, il reste mon cerveau. Hein. Donc, trois choses. Premièrement, une poudre à embosser. Donc là, on a argent, transparent vernis, opaque blanc et copper, c'est cuivre. Voilà. J'avais du doré, mais j'en ai plus. Et du coup, comme j'ai été limitée en sous, parce que j'ai arrêté de travailler et que du coup, c'est galère au niveau des thunes, j'ai repris que cuivré. Pour Noël, doré c'est très apprécié, argent aussi, c'est les couleurs qui passent bien. Cuivré pourquoi pas, mais voilà. Sur les flocons de neige, transparent c'est très bien, transparent ça passe partout.
Voilà. S'il n'y a qu'une couleur à prendre, transparent, c'est bien. Là, c'est transparent verni, donc c'est un transparent normal. J'ai une grosse préférence pour les très fines, mais j'ai du mal à trouver parce que tout le monde se vante d'être très fin, alors que bah, c'est pas vrai. Et du coup, il y a souvent des petits trucs autour et ça m'enquiquine, mais spécifiquement pour ce projet, ça peut être intéressant et ça me poserait pas de problème. Et j'ai envie d'essayer ma poudre opaque blanche, parce que je pense que ça peut vraiment être sympa avec même s'il y a un fond noir. Voilà, j'ai hâte de voir ce que ça donne et ça me branche bien. Alors, je vais un petit peu nettoyer mes tampons. Parce que c'est pas parce que. Bon, avant de les ranger. La partie meilleur vœu. Je vais l'enlever parce que ben, on n'en a plus besoin. Et l'autre, c'est un tampon complet. Oups. Donc je ne peux pas en enlever un bout. Voilà. Moi, j'ai déjà enlevé le plus gros. Voilà. Donc meilleur vœu, il va être rangé. Alors ce que j'utilise, il y a des solutions de nettoyage. C'est des vieux stickers d'il y a 15 ans. Qu'est-ce que j'ai mis dedans? De l'eau, de l'alcool, doit y avoir du vinaigre. J'ai mis un peu d'huile essentielle ou de parfum parce que ça sent bon. Mais c'est essentiellement. Ah oui, un peu de savon fait maison. Mais du savon, de l'eau, c'est très bien. Si vous avez un petit peu pas rassuré sur les bactéries, mettez un peu d'alcool et puis on est bon, quoi. Comme ça, après, il n'y a plus qu'à pchiter, ça nettoie, c'est pas agressif ni pour la peau, ni pour les tampons, puisque certains se dégradent vite, hein, ça dépend de la qualité. Moi, j'ai des tampons que j'ai dû jeter parce qu'ils avaient une tendance à suinter, à fondre, arc. Et à puer aussi, d'ailleurs, mais bon, ça, c'est pas forcément le truc, c'est qu'ils fonctionnaient plus correctement, quoi. Souvent, on peut les récupérer pendant un moment en les lavant avec de l'eau et du savon, mais des fois, ça marche pas bien. Ensuite, donc, on y va. Je vous avais dit, il faut trois choses. La première, c'est une poudre, dans un autre sens. La deuxième, c'est... là, j'utilise de la Versamark. Si vous regardez des vidéos de scrap, vous verrez que c'est habituel. C'est la marque connue, elle pose pas de problème, elle est nickel, elle fait un très bon résultat, c'est très bien. Mais c'est une espèce de colle, tout simplement. On peut pas utiliser n'importe quelle colle parce que d'autres vont buller et faire des choses très sales. Donc moi j'utilise la Versamark qui a plusieurs tailles. J'en ai deux parce que j'ai fait des grands trucs et puis des fois voilà, quand on est maladroit c'est pas très évident. Puis pour des petits détails c'est beaucoup plus facile à manipuler la petite taille. Il existe également ces produits sous forme de stylo. Donc là par exemple c'est... Ouf. Double côté, mais on voit que je l'ai, il est détruit. Avec plusieurs formes, plusieurs... Ah oui, c'est vrai. Plusieurs finesses. Plusieurs maniabilités. Donc ça, c'est pareil. Dans vos chouchous, n'hésitez pas à repérer ceux qui sont le plus compatibles avec vos capacités. Moi, je vois qu'il y a plein de produits que j'estime être très bien. Et puis, en fait, tout simplement, bah, les fermetures, elles sont tellement dures ou tellement problématiques que bah, je reprends plus les produits parce que c'est pour me déboîter les bras à chaque fois ou elles sont vées. Voilà, donc si vous travaillez avec des personnes handicapées, faites attention aussi également à ces problèmes de packaging, tout bêtement, même si le produit est de qualité, il peut y avoir des problèmes liés au packaging. Alors, là, je repasse un coup, parce que je veux vraiment pas qu'il y ait du blanc, vu que j'ai pas pris du transparent, je veux vraiment pas qu'il y ait de blanc sur mon parapluie, quitte à ce qu'il y ait des petits flocons qui soient pas faits. Alors, il y a je remets la colle, là. Hop. Donc, je tamponne, enfin, j'encre plutôt le tampon. Mais du coup, le mouvement, c'est tamponner le truc, là. C'est transparent, donc on ne voit pas. Il y a certaines encres à embosser qui sont pas transparentes. Celle-ci est bleue, par exemple. Normalement, ça disparaît au séchage, mais ça, c'est la théorie, parce qu'en pratique, ça dépend. Je suis en train de faire presque une bêtise. Ouais, mon coussin anti-statique. Alors j'ai re-rangé mon bureau encore une fois, du coup des choses disparaissent. Normalement ça devrait être juste là, et je me demande si les chats n'ont pas volé mon matériel, parce que le coussin anti-statique va aider à éviter d'avoir des projections ailleurs. Alors,
J'ai retrouvé mon coussin antistatique, c'est quoi? C'est vous prenez un bas, un tissu assez fin, un n'importe quoi, avec du talc dedans, sinon ça se vend tout prêt. On le passe. Tout simplement, là l'encre est sèche et c'est pas une encre à séchage lent, donc ça ne pose pas de problème. On va le passer partout. Voilà. Si vous regardez un peu autour, exactement ce qu'il ne faut pas faire, tout bouger les machins. Donc je le repositionne bien et normalement c'est censé être parfaitement au même endroit puisqu'il y a le coin qui vient bloquer. Mais comme j'ai dû le rehausser, on verra si ça marche ou pas. Je vais retamponner. Donc là c'est la partie uniquement transparente. Donc ça ne se verra pas, on n'a pas de retour sur l'effet. Hop. Ensuite, on verse la poudre. Voilà. Je vais dézoomer un peu, que vous voyez quand même un peu mieux ce que ça donne. On peut tout verser, hein, c'est pas gênant. Hop, on remet dedans. C'est pour ça aussi qu'il faut travailler avec du propre. Là, je vois, ça a collé tout plein ailleurs, ce qui n'était pas du tout ce que je souhaitais. La feuille, elle servait justement à récupérer la poudre. Donc, si on regarde, on voit qu'il y a une partie qui a été blanchie, alors que j'avais pourtant passé le coussin antistatique. Et puis pas mis de justement d'embossage à ce niveau-là, mais c'est les aléas de la réalité. Ça marche pas toujours comme on veut. Alors, je vais prendre un pinceau pour décoller justement cette poudre-là. Et je remettrai du produit pour bien nettoyer à nouveau mon tampon pour que ça ne colle pas, puisque je vais refaire la manœuvre plusieurs fois. Voilà. Et ça devrait fonctionner. Après, encore une fois, j'aurais pu le laisser puisque on est sur un truc de Noël. Le fait qu'il y ait un peu de neige partout, c'est pas du tout un problème. Hop, on enlève bien le surplus. On peut tapoter un petit coup, mais pas trop fort. Essayez de garder un espace de travail organisé. Voilà. Je sais que je referme toujours mes pots, même si j'en ai besoin rapidement. Ça prend un peu plus de temps, mais vu le nombre de fois où j'ai renversé des choses, oh, je préfère. Alors, hop. Ensuite, on va passer à l'étape heat gun, donc pistolet à chaleur. Donc moi, c'est un vieux, il est tout moche, mais on s'en fout, il fonctionne très bien. Ça fait beaucoup de bruit, donc je vais mettre en pause. J'allume, je fais attention parce que c'est très chaud. Là, j'ai une carte qui est grande, mais sinon, vous pouvez utiliser une pince pour le tenir. Ce que je fais parfois, c'est commencer par chauffer en dessous, parce que des fois, le souffle, même s'il est léger, et notamment un sécheuse, ça ne marchera pas parce que c'est pas assez chaud. Et que ça souffle beaucoup trop. Là, c'est le contraire, c'est très chaud et ça souffle peu, mais des fois, ça dégage quand même la poudre. Donc, on pose. Voilà, c'est fait. Là, on a... Tada, autofocus. On a bien ces petits volumes autour des petits flocons de neige. Par contre, je voudrais qu'ils soient plus marqués. D'où l'intérêt justement de la presse à tampons, parce que ça, on ne pourrait jamais le faire à l'œil nu. Je repositionne mon papier. C'est pour ça aussi que là, c'est intéressant, vu que je savais que je risquais de retamponner plusieurs fois dessus. C'est intéressant de venir vraiment le positionner contre le bord. Mais il faut vraiment que je me rachète une presse à tampons. Je repasse un coup de coussin antistatique. Hop. Là, j'avais dit, je renettoie un coup parce que je ne sais pas pourquoi ça a quand même collé au centre alors qu'il n'y avait pas de raison. Et pour ça, j'utilise une petite microfibre. Mais là, j'ai acheté une peau de chamois synthétique. Je ne sais pas encore
Comment ça, si ça fonctionne vraiment bien, ça a l'air, je teste et puis je vous ferai sûrement un retour dans une autre vidéo. Voilà pour ça. Là, je vais nettoyer à fond. Si ça colle, je sais pas quoi dire. Hop. Je remets mon encre à embosser, qui est donc un type de colle, mais qui. Donc là, le party pad est un peu plus petit. Hein. Donc on peut avoir l'impression que je vais sur le parapluie, mais pas du tout. Voilà. Ça, c'est bon. De nouveau, je récupère ça, le papier. J'ai un autre système aussi, qui est celui-ci, qui est prévu pour. Il y avait un petit bouchon et tout. Et au final, je l'utilise pas parce que le précédent était beaucoup trop gros et encombrant. Et celui-ci, bah, il est trop petit et j'en fous partout à côté. Donc, quand je travaille sur des toutes toutes petites pièces, je l'utilise. Mais sinon, une feuille d'imprimante pliée en deux, en format A4, c'est très bien. Voilà. Du classique, c'est bien. Finalement, je suis retournée sur l'ancienne méthode. Donc je verse, généreusement, tranquille et tout. Hop. J'en mets partout. Et là, effectivement, ça a mieux marché. Donc je pense que c'est parce que mon tampon n'était pas propre. Sauf qu'en fait, ça n'a pas pris sur. Ok, alors je ne sais pas pourquoi. Ça n'a pas. Voilà, j'en ai plein les doigts. Génial, je vous dis travailler propre et puis voilà. Ça n'a pas pris correctement. Pourquoi? Dans les vidéos, ça marche toujours bien. Et généralement, ça marche bien aussi avec moi. Mais là, on voit qu'effectivement, la poudre n'a pas adhéré alors que je viens de passer la colle. C'est pas grave, c'est la vie. Je reprends les étapes. C'est bien, ça me permet de vous permettre d'imprimer bien les différentes étapes. Je mets en place mon papier, je le stabilise, je suis au bon endroit, je vérifie, je mets un coup d'antistatique pour éviter d'avoir des projections ailleurs. J'ai pas fermé mon pot, faut que je fasse attention. J'applique la VersaMark. J'avais tellement peur d'en mettre sur le parapluie et ailleurs que du coup j'ai pas dû en mettre assez. J'ai pas dû appuyer assez fort. Trop délicate pour une fois. Voilà. Donc j'applique. Je ne reclaque surtout pas mon truc avec mon pot ouvert. Je repositionne, je referme. Ça se trouve, j'ai oublié de refermer. Je verrai ça au retour. Donc je vous disais, hein, si je fais des vidéos aspect dyspraxique, hein, c'est pas pour rien. Je suis obligée de réfléchir à toutes les étapes qui semblent naturelles à la plupart des gens. C'est au suspense. Et voilà. Et ça adhère parfaitement, hein. Bon, j'ai clairement dû oublier une étape. Après, généralement, je crée sans expliquer, sans parler, donc ça distrait aussi. J'ai pas encore suffisamment l'habitude. Ça apprend, ça se travaille. Alors, cette fois-ci, je vais vous le faire en temps réel, puisque grâce à ma superbe webcam et son logiciel, je peux couper le son et éviter de vous latter les oreilles avec le Heatgun. À tout de suite.
Voilà. Du coup, là, je remarque que j'ai un petit décalage au niveau des bulles, mais ça me convient très bien, puisque on est justement toujours sur cette idée de thématique de neige et de. C'est assez flou au final, ça fait pas des ronds comme ça quand ça tombe. Donc, je nettoie mon tampon, comme d'hab, je range. Et puis, on va pouvoir passer à l'étape suivante qui est la colorisation. À tout de suite. Voilà, c'est parti, j'ai éteint la lumière. Je vais essayer justement de régler pour que vous puissiez voir, mais avec moins de problèmes de reflets. Voilà, normalement ça devrait être bien. Je vais zoomer un peu pour que vous voyez mieux. J'ai sorti ma palette d'aquarelles que j'adore. J'ai aussi complété avec des aquarelles que j'ai fait moi-même parce que j'avais des problèmes pour les couleurs peau. Avec différentes couleurs chères, on trouve souvent, à mon avis, pas grand-chose et je suis souvent coincée avec ça. Voilà. Alors, je pousse ça de côté. J'utilise toujours un pinceau à réservoir d'eau. Je trouve ça extrêmement pratique. Ça évite de renverser. C'est très bien. Souvent, ce que j'ai, puisque j'aime bien travailler avec des toutes petites, des petits formats, c'est d'avoir un petit compte-gouttes, tout simplement, avec de l'eau dedans. Comme ça, je me mets juste une goutte sur le bord de ma palette pour mes dilutions et ça suffit amplement. Donc c'est hop, ce que je fais, c'est hop, une petite goutte là, des fois je mets une petite goutte ailleurs, des fois j'ai besoin d'un peu plus d'eau. C'est assez pratique, ça permet de tout avoir à côté de soi et d'éviter d'avoir à traverser la pièce avec de l'eau ou ce genre de choses. Ensuite, choisir les couleurs, donc généralement j'ai tendance à tomber tout de suite à, oh, du turquoise, c'est bien, c'est beau. Pour Noël, souvent, culturellement, c'est le vert et le rouge. Je vais faire tomber mon bouchon, le vert et le rouge qui sont choisis. Vous pouvez prendre la couleur préférée de la personne à qui vous destinez la carte, votre couleur préférée, ce qui est associé à la saison. À la limite, qu'importe, faites-vous plaisir. Là, il y a des petits motifs aussi dans la laine. Je vais très classiquement partir, je pense, sur. J'allais dire du rouge, et puis finalement. Allez, ouais, du rouge. Donc c'est pareil, après, bah, faut choisir ces rouges. Hop, les miens, ils sont par là. Je vais retourner ma palette pour voir un accès plus facile. Et je vais vous montrer aussi comment faire des dégradés. Voilà. Manque un peu de finesse encore. Mais bon, c'est déjà très bien comme qualité, je trouve. Là, j'ai deux rouges qui sont roses de poterie. Qui a un côté assez poterie, effectivement, terre qui est pas très lisse. Et le alzarine cramoisi, je trouve que le alzarine cramoisi est plus adapté à ce que je veux faire. Donc, mon pinceau est déjà mouillé. Je prélève un peu de peinture et je vais le retravailler dans un coin. J'essaye de mettre justement la partie pour vous montrer comment, sur ce type de pigment où je sais. Que l'alzarine des fois elle a un petit peu de mal, je suis dans le mauvais coin. Je vais dézoomer. Je vois de la dyspraxie. Encore. Dans quel sens il faut tourner? Comment ça marche? Bon, je suis par là. Je suis par là et nous avons un terrible reflet qui fait que on voit rien. Ça y est. Terrible reflet. Voilà, là je suis en train de bien écraser mon pigment, de le retravailler avec l'eau pour avoir quelque chose d'uni. Et vous avez toujours le reflet. Ouais, bon, ben voilà, il y a une petite tache et je viens de bien éparpiller. Je vais commencer par la partie là, c'est celle que je vais tirer vers le haut. Donc je dépose la couleur par petites touches sur la ligne basse. Voilà, tout délicatement. On est sur des motifs qui sont quand même extrêmement fins, donc mollo quoi. Là, je vais mettre aussi sur les gants. Pareil, je vais commencer par la partie basse. Je veux que ça monte en termes de lumière. Et ici,
dans l'autre sens, puisqu'il y a de la fourrure au-dessus, elle vient apporter de l'ombre. Donc c'est cette partie-là qui va être plus foncée. Là, je redépose un peu de pigment sur la ligne basse. Ici aussi, je refais le petit tour. Et là, je vais monter un petit peu. Et là également. Alors, on lui fait une écharpe rouge ou verte. C'est tentant, hein? Un petit peu de vert. Là, en termes d'ombrage, c'est pas mal. Je sais pas encore quelle couleur lui faire son parapluie. Là, ce que j'ai fait, c'est déposer un peu de pigment pour en avoir un petit peu moins. Je peux aussi utiliser, hop, mettre un petit peu d'eau. Voilà. Et on dilue. Et là, on voit qu'ici, c'est plus sombre que là. Et ici, pareil. Et là, on étire en fait la couleur. Étirer la couleur. On part de la zone où on a beaucoup de pigments et on tire dans le sens de la lumière. Voilà. Je vous montrerai en zoomé après pour que vous voyez vraiment ce que ça donne de près. J'ai envie de lui faire une écharpe verte. Hop. Donc là j'ai mis une petite mousse. C'était quoi? C'est du matériel de maquillage en fait. Je l'ai coupé en morceaux pour venir pouvoir essuyer mon pinceau. Ça coûte souvent moins cher que le matériel de créa. Et sinon j'utilise les mouchoirs ou les serviettes qui donnent dans les livraisons à domicile ou des trucs comme ça. Souvent il y en a et puis bah, plutôt que de les jeter, autant les réutiliser pour des créas et il n'y a pas besoin de les jeter après coup. Moi j'ai un stock à utiliser et puis j'en ai une ou deux qui sont en cours d'utilisation quoi, et on peut s'en servir super longtemps. Parce qu'en plus avec l'aquarelle ça sèche, il y a peu de pigments dessus, c'est parfait. Voilà. Hop. Parfois il faut revenir à refaire la forme ronde quand on l'a écrasée. Faites pas comme moi, n'utilisez pas votre bouche pour le faire. Là j'ai pris mes doigts exprès. Je vais prendre un verre de hooker pour faire l'écharpe. Pareil, je prends. Hop là, du pigment. Je vais mettre un petit peu d'eau. Ça pour moi, c'est vraiment un moment d'intense relaxation. Je me pose, je fais ma colorisation, je suis très absorbée. Si c'est quelque chose qui vous branche pas, allez un peu plus vite. Là, c'est pas un problème de perfectionnisme qui fait que je prends autant de temps pour le faire, c'est parce que c'est un plaisir pour moi de venir. Déposer la couleur, travailler la couleur et tout ça. Donc, pareil, je vais chercher les zones les plus sombres et venir y mettre la couleur en priorité. En plus, comme ça, on va pouvoir la rehausser. Hop. Là, je pourrais mettre plusieurs couleurs hein, sur l'écharpe, puisqu'il y a des motifs. Après, on peut toujours mettre plusieurs couleurs, hein, mais souvent il y a une espèce de logique dans les couleurs qui sont choisies par les personnes pour coloriser. Genre là, je sais pas encore ce que je vais mettre, mais d'habitude je fais la même couleur, mais là j'ai envie de le faire un petit peu plus coloré que d'habitude ce personnage. Parce que moi, je suis très très camailleux. J'aime bien reprendre une couleur et la décliner. Sûr qu'il n'est pas froid ce petit bonhomme. Et oui, c'est pas logique. On a un bonhomme de neige, il a peur d'avoir froid. Mini écharpe. Mais bon. C'est pas logique, mais c'est mignon. Donc là, ce sera une belle zone de lumière. Pour les mouvements, les petits ronds, c'est bien. Et puis travailler le mouvement en fonction de ce que vous voulez obtenir au niveau
au niveau de la lumière, au niveau des effets. Voilà. Alors là, c'est un papier aquarelle de chez Action, donc il coûte pas très cher. Il est pas. Allez, on va dire qu'il est pas mal, mais on peut pas beaucoup travailler avec de l'eau dedans parce qu'il peluche. Donc c'est un peu un truc pas bon ça pour le pour l'aquarelle, puisque l'aquarelle justement, il faut des papiers qui résistent, qui tiennent extrêmement bien à l'eau. Donc c'est pas un bon papier, mais l'avantage c'est que il supporte à peu près l'aquarelle et qu'il est pas cher. Et le papier aquarelle, c'est bon, c'est pas donné. Il y a plusieurs marques. Je dois encore faire des tests, mais pour l'instant, chez Cluaction, j'en ai pris un paquet de. Un paquet, c'est du A4, hein, donc ça c'est du A6. Ça veut dire que A4 divisé en 2, c'est du A5, et redivisé en 2, c'est du A6. Donc non seulement c'est pas cher, mais en plus il y a quand même de quoi faire pour un moment. Voilà. Donc est-ce que j'aime bien le vert de mon écharpe? Oui. Donc c'est bon, je remets pas de touche, non. Je vais mettre un peu de brun du coup, mais vraiment très léger sur le motif en récupérant le rouge et le vert précédemment utilisés. Voilà, un brun un peu plus chaud que je vais mettre ici. Voilà, j'aime bien, sympa. C'est discret, ça passe bien. Alors, comme couleur, il nous manque encore un orange pour la carotte. C'est une carotte, son nez. Donc, soit le cadmium, soit le rouge cadmium pâle, qui, contrairement à ce qu'on demande, son nom indique, n'est pas rouge à mon sens, mais orange. Hop. Sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, ça, c'est orange. Ça dépend un peu de l'éclairage. Après, il y a des carottes de différentes couleurs. On a même des violettes. Voilà. Hop, petit nez. Si vous aimez reprendre les motifs, vous pouvez aussi faire des petits traits au crayon de papier ou avec un feutre pour venir. Faire les augmenter l'aspect circulaire des carottes. Hop. Bah, du coup je vais reprendre l'orange pour son parapluie. Mais je vais le faire plus pâle et un peu modifié. Avec les restes de peinture. Souvent ça c'est ce que je fais quand il y a des couleurs qui sont pas déterminées, genre c'est pas la peau d'un personnage où je pourrais prendre du bleu par exemple. Enfin, théoriquement c'est possible mais c'est pas trop mon truc. Mais souvent c'est ce que je fais, je récupère les couleurs que que je viens d'utiliser. Mais en les mélangeant et souvent il y a une espèce d'assortie parce qu'en fait il y a des sous-tons qui font que ça va plus ou moins bien. Là, on voit bien que, hop là, ici, il y a eu un trait de blanc, un trait d'embossage, de poudre à embosser. Je l'avais vu, mais je me suis dit, ah bah tiens, c'est pas plus mal, parce qu'effectivement, la neige, elle tombe dessus, et on pense pas forcément à le symboliser, il n'était pas symbolisé sur le parapluie, je trouvais ça dommage. Donc du coup, j'ai dit ouais, super. C'est les petites découvertes accidentelles qui font plaisir. Là, je suis en train de passer une deuxième couche, comme je travaille avec très peu d'eau, très peu de quantité de peinture. La première est déjà sèche. Sinon, il faudrait attendre. C'est pour ça que j'avais laissé le heat gun à côté de moi, mais sur des toutes petites surfaces comme ça, quand on travaille de manière aussi légère et détaillée, généralement on appelle le temps de respirer, c'est déjà sec. Ce qui est habituellement pas le cas avec l'aquarelle.
Je reprends un peu de pigment, un peu d'eau. Parce que je voudrais rehausser un peu le bas du parapluie. Donc rehausser, réaugmenter, remettre de la couleur. Pour qu'on sente vraiment la lumière qui vient du ciel. Et pareil, je fais un dégradé pour qu'il n'y ait pas de limite franche et brute. Voilà. Donc, je jette un coup d'œil. Est-ce que ça me plaît? Oui, ça me plaît. Il me manque le bois enfin, le bois ou le métal d'ailleurs, je ne sais pas. Ça pourrait être. Là, par exemple, je pourrais prendre un coup de stylo noir. Mais comme j'aime bien travailler avec des couleurs assez douces, le feutre noir ferait un aspect un peu trop brutal. Donc, je vais prendre terre de sienne brûlée comme couleur. Hop. J'aime beaucoup. En aquarelle, c'est vraiment une de mes couleurs préférées parce que c'est un brun qui est chaud, riche. Et en fonction de la dilution, on peut vraiment obtenir des choses qui offrent énormément de choix. C'est vraiment un énorme plaisir. Voilà pour le manche. Est-ce que ça me convient? On va remettre un petit peu de terre de sienne pour foncer un peu le bas. C'est vraiment une couleur super agréable à travailler, le terre de sienne en plus. Gros gros bonheur. Voilà, donc toujours j'ai fini mon étape, mon morceau. Je nettoie, je range. Et comme je vous disais, quand on nettoie le pinceau, ça peut l'aplatir. Donc si on veut des pointes très fines, on repasse derrière. Alors, astuce pour les dyspraxiques, quand vous savez refermer comme ça. Ouhouhou. Moi, ce que je fais, c'est que j'utilise le reste de ma main pour viser en fait. Voilà. Donc mon petit doigt vient s'appuyer sur les autres doigts. Et comme ça, c'est plus facile à fermer. Hop, et on range. Maintenant, on arrive à cette histoire de départ. Donc là, c'est attention, c'est les dernières étapes, on évite de tout foirer. Un peu m'aspé de renverser le truc tout à la fin. Je vais prendre du Glossy Accent. Je vais ressortir un des mouchoirs que j'avais rangé, puisque souvent, il vaut mieux le démarrer sur le côté. Tous les produits. Quel qu'il soit, un flacon comme ça, il y a un papier ou un sopalin ou un n'importe quoi, mais sur le côté. Là, je sais que j'en ai dans mon bouchon, parce qu'en fait, il s'était bouché, j'ai raccourci le tube. Voilà, je vais nettoyer tant que j'y suis. Hop. Désolée. Essaye de me contacter. Ça, c'est des cure-dents, je m'en sers pour mes créas. Et je vais prélever des petites quantités dans le bouchon parce que sinon on peut les poser directement. Mais comme j'en ai là, et je vais en mettre sur certaines, pas toutes, certains des flocons. Je vous montrerai le détail. Et en fait, en séchant, ça va être tout transparent, tout brillant. Alors, je suis désolée, en plus des personnes qui cherchent à me contacter sur différents médias, nous avons un chat qui cherche à aller sous le bureau, d'où les bruits. Viens de lui dire non. Non avec le pied. Mais il y a des câbles derrière, c'est super rigolo. Non. Alors. Voilà. Hop. Ce que je vais tester aussi bientôt, c'est la résine UV. J'en ai eu un petit peu pour mon anniversaire, donc je vais pouvoir tester la résine UV sur ce type de choses. Je voudrais aussi préserver quelques feuilles et fleurs. Je vous ferai un retour sur ce que ça donne. Voilà. Donc ça, c'était pour apporter un petit peu de brillance et encore une fois de volume sur la neige autour. Encore qu'avec les changements climatiques, je suis pas sûre qu'on en a encore des masses.
Ne parle pas de ça. On se détend et tout va bien. Bon, tout va pas bien, mais là, c'est la bulle, on se détend. Voilà. C'est pas mal ça. Donc là, c'est légèrement jaune, mais ça va disparaître en séchant. Hop. Je vous montre ça grâce à ce super autofocus. Voilà. Vous voyez l'aspect que ça donne. Donc là, je voulais vous montrer plusieurs choses. L'aspect volume des flocons. Le dégradé sur le parapluie, qui donne vraiment une sensation de volume, de rondeur. Et les dégradés au niveau aussi des zones vertes et rouges. Voilà. Alors, je vais chercher une base de cartes et un fond assorti. Et pareil, petite pause, j'arrive tout de suite. Voilà, c'est reparti. Alors, je crois que je vais me donner un coup dans ma caméra. Du coup, j'ai été plus centrée, voilà. Alors, ça, c'est une base de cartes. Alors, pour info, j'ai fait un article sur mon site exprès pour expliquer tous les termes techniques dont je parle. Parfois, il y a les marques, normalement, si j'ai rien oublié. Si j'ai oublié quelque chose, dites-le moi, je le remettrai. Hop, là, il y a une petite retouche à faire. Voilà. Les bases de cartes, c'est ça. C'est prévu justement pour ensuite pouvoir décorer sans avoir à faire la structure qui est pas artistiquement très intéressante à faire. Et moi, je les achète avec les enveloppes à la bonne taille, comme ça, c'est bien, c'est calé, il n'y a plus de problème. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé bon, un peu dans mes papiers généraux, mais surtout dans une de mes pochettes que j'essaye d'utiliser en priorité, c'est une pochette à chute de papier. Des fois, il y a des papiers qui viennent d'emballage, parce que je les trouve jolis. Alors, je découpe les emballages et je les range dans mes papiers. Les scrapeux sont un peu bizarres, faut pas s'étonner, c'est normal pour nous. C'est juste une norme différente. C'est comme pour les autistes, on n'est pas bizarre, on a des normes différentes de haut. Et puis voilà, par exemple, ça c'était une feuille, c'est pas du A4, c'est autre chose comme format, mais je fais ça dedans, je vais pas jeter le papier, il est très bien. Donc on va conserver les chutes de papier d'une dimension suffisante. Ceux-là par exemple, ils matchent super bien ensemble, je sais très bien que je pourrais très facilement faire quelque chose. Etc. Donc l'idée c'est voilà, des fois on a des petits bouts de papier qui peuvent pas servir spécifiquement pour un truc genre toutes ces petites cartonnettes comme ça pour une découpe un dies par exemple. Je vais reprendre parce que j'ai du mal avec l'anglais et ça c'est pareil, c'est des sont pas évidents. Là c'était marqué Hello, c'est une matrice de découpe. On voit bien que là il n'y a pas de souci, mais je peux pas faire un fond de carte avec parce que c'est trop petit. C'est trop petit pour certains projets, mais ça peut convenir pour d'autres. Là, j'avais fait des couvertures pour mon agenda sur lequel il faudrait que je vous refasse une vidéo d'ailleurs. Il faudrait que je fasse parce que j'en avais jamais fait. J'aime beaucoup l'aspect que ça donne, ça matche vachement bien à mon avis. La prochaine fois, prochaine vidéo, je gérerai l'ombre et la lumière. J'apprends, j'apprends. Une chose à la fois. Alors, ça, je vais le raccourcir parce que le tour est trop grand. Par contre, comme j'ai mis le produit il y a encore pas trop longtemps, faut pas foncer pour la découpe. Ça, il me semble, c'est du format A6, classique. Je vais faire ça un peu plus petit que A6. Alors, hop. Normalement, là, j'enlève parce que je voyais que le bord était légèrement abîmé. Et je vois qu'ici, c'est aussi un peu abîmé, donc je vais le retourner. C'est un double face, en fait. C'est une feuille de 30-30 à la base. 30-30, c'est un format qu'on trouve beaucoup, parce que c'est un format, un des grands formats de scrapbooking, et notamment américain. 30 cm sur 30 cm. Là, je vais enlever 1 cm, ça fait 5 mm de chaque côté.
5 minutes, ça paraît bien. Et donc, pour le assis, ce côté-là, il n'est pas très propre. Pas hésiter à refaire des coupes des deux côtés, puisque... super, j'ai pas le assis. Haha. On doit être là, je crois. Parce que c'est pas toujours aussi perpendiculaire qu'on croit, surtout dans les chutes. Il suffit d'avoir un petit peu bougé lors d'utilisation du massicot. Et au final, on n'a pas un truc vraiment avec vraiment des bords nickel. Donc là, je suis en train de regarder ce que ça donne, ça me convient bien, j'aime bien la disposition. Et je vais couper celui-là, je vérifie ma substance. Et sèche, c'est bon. Je vais pouvoir couper dessus. Là, j'ai pas besoin de compter des millimètres, je le fais à l'œil, puisque je peux me permettre en fait la taille de tour que je veux. Alors, plus on est proche, moins on a une sensation d'espace. Donc ça, c'est important à savoir, mais je vous explique. Là, si je réduis encore, ça va paraître étriqué, ça va paraître un peu étouffé. Alors que en laissant beaucoup d'espace autour, on va avoir une sensation de grandeur et de respiration. Mais s'il y a trop d'espace autour, on se retrouve avec quelque chose qui a l'air perdu, isolé et un peu paumé quelque part. Maintenant, je vais vous parler du matage. Alors, je mets en pause le temps de fermer le rideau, parce que vraiment, ça devient difficile de voir quelque chose. Voilà. Alors, le matage, c'est... Je vais vous le mettre dans le bon sens, ce sera plus joli pour vous. C'est le fait de venir mettre en valeur une illustration, une photo, etc. avec un papier en dessous. Il existe plusieurs sortes. Par exemple, là, on a un matage simple, on n'a qu'une seule couche. Il peut être double si on en met deux. On peut le centrer. Voilà, si je fais comme ça, c'est centré sur les deux. Il peut être décalé, mais que un des deux, par exemple. Comme ceci, pareil. Hop, j'enlève mes doigts pour que vous voyez. Il peut être décalé encore autrement, etc. Il y a vraiment beaucoup de possibilités. Souvent aussi, par rapport, si on fait un matage avec un papier blanc, il y a le type un peu Polaroid, où il va être pareil ici, mais ici on va avoir un plus grand morceau en bas et ça peut permettre d'écrire quelque chose. Donc l'idée, c'est de sentir ce que vous aimez. Là par exemple, moi c'est vrai que j'aime bien quand c'est bien centré, avec tout le monde bien aligné, mais un petit personnage comme ça, il pourrait tout à fait avoir... quelque chose de disposé comme ça, et notamment avec pourquoi pas une petite ficelle en bas, un petit nœud satin, un petit truc qui vient faire une ligne ici et reprendre la forme du bas. Mais c'est pas ce que je vais faire. Moi je vais vraiment partir sur la version la plus classique, quoi. Ensuite, là j'avais dit je fais une vidéo vraiment longue avec tous les détails etc. Ça c'est du scotch double face, et je vais vous remontrer l'astuce pour les personnes qui ont du mal à viser. Hop, donc je viens mettre mon scotch jusque là, pas de souci. Hop, je le fais sur les quatre faces, les quatre côtés pardon. N'hésitez pas à mettre en pause hein, quand vous voyez ou à accélérer si vous allez plus vite, mais si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à mettre en pause. Donc là, je prends le bord de l'ongle, hop, et je viens soulever et le mettre comme ça. Autant que possible, si j'ai pas de problème, j'essaye de le faire dans le même sens, parce qu'après, pour les enlever, ce sera plus facile. Cette astuce, elle m'a tellement aidé, j'avais tellement mal à positionner, c'était un carnage. Puis une fois que c'est lâché, enfin, c'est vraiment embêtant en fait. Donc rien que pour ça, le scotch double face, merci quoi. Hop, je lâche tout. En fait, il y a une épaisseur entre les deux. Je peux passer mon doigt sans problème. Et là, je viens
regarder de bien au-dessus. Bon, un petit peu moins vu qu'il y a la cam, là, mais je viens vraiment, je peux bouger comme je veux vu que rien n'est collé là. Je viens me positionner exactement comme je veux. Je peux prendre tout mon temps. Quand c'est bon, j'appuie au centre, loin des trucs. Si c'est pas bon, je peux rebouger. Moi, je dis c'est bon, ça me convient. Et là, je vais retirer. Alors, normalement, j'appuie un petit peu d'abord. Et là, c'est fixé. Il n'y a plus qu'à retirer le reste. Et on appuie au fur et à mesure. Enfin, on appuie. On fait rentrer en contact, hein, parce que pas besoin d'appuyer. Et voilà! Et comme ça, on a vraiment le truc nickel, quoi. Je fais pareil. Alors, je vais vous montrer une autre colle qui ira plus vite. Pour moi, il y a aussi ce type-là. Sinon, la colle bâton, c'est très bien aussi. Mais là, j'en ai plus. Voilà. J'ai fini ma colle bâton. Mais là, par contre, avec ce... Elle marche pas très bien, ça. Avec ce type de... Toujours bien vérifier qu'on est dans le bon sens. Hop là. On n'a pas de droit à l'erreur, contrairement au système double face. Mais comme je voulais vous montrer un maximum de choses et que la vidéo est longue, autant rentabiliser. Donc je viens me positionner. Ce que je fais, c'est que j'appuie sur la tranche de mon doigt. Et puis ben, je croise les doigts pour pas faire de bêtises. J'ai plus de magie après. Hop, voilà. J'essaye de lâcher progressivement parce que des fois on peut quand même réajuster un tout petit peu l'angle quand c'est quelques un ou deux degrés. Ouais, c'est bon. Voilà, c'est bon, on a fini, on n'oublie pas de ranger derrière soi. Si pour vous c'était trop épuré, vous pouvez rajouter quelques demi-perles dessus ou mettre un ruban ou des choses comme ça qui s'apprêtent bien au motif. Voilà, je vous fais un petit. Avec un super autofocus. Et voilà ce que ça donne pour une carte sympa pour les fêtes de fin d'année. Voilà, mais j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner et à me dire surtout ce que vous aimeriez voir comme vidéo, ce qui pourrait vous aider, que vous ayez des difficultés particulières ou pas. Et puis voilà, je ferai des vidéos très longues où j'explique vraiment tout pour les personnes qui en ont besoin. Et je pense que je ferai aussi des vidéos plus courtes pour les personnes qui sont rodées ou qui n'ont pas de difficultés particulières. Bonne création à vous. Encore merci et puis profitez bien, amusez-vous bien, créez. Et c'est pas grave si c'est pas au niveau des standards habituels ou de ce qu'on voit sur Internet, qu'importe. Faites-vous plaisir. Au revoir.